L'appareil que vous voyez à l'écran est un avion, mais qui n'est pas comme les autres. En effet, mis à part son design assez original, cet appareil nommé Stratolaunch pourra dans un futur proche lancer des fusées à haute altitude. Le Stratolaunch, récemment renommé ROC, fut conçu par la société Stratolaunch System Corporation qui supervise le projet. La création de l'appareil fut réalisée par l'entreprise américaine Scale Composites. Il fut lancé par le milliardaire Paul Allen, l'un des cofondateurs de Microsoft. Avec une taille de 72 mètres de long pour une envergure de 117 mètres et une hauteur de 15 mètres, il est le plus grand avion du monde. Pour faire voler un tel monstre, les ingénieurs l'ont équipé de 22 roues et de 6 turboréacteurs Pratt & Whitney, pouvant chacun générer une poussée comprise entre 230 et 435 kN. Le ROC est issu de la fusion entre deux Boeing 747-400 auxquels ont été ajoutées des pièces supplémentaires conçues par Scale Composites. Quant à la partie ingénierie et système, elle fut fournie par l'entreprise Dynetics. Le ROC effectuera son premier vol en avril 2019 et son deuxième en avril 2021. Une de ses particularités est son double cockpit. Les pilotes se trouvent dans celui de droite, tandis que celui de gauche abrite uniquement des instruments liés aux données de vol. Pouvant supporter 250 tonnes sous le bout d'aile centrale, le Stratolaunch a initialement été conçu pour lancer des fusées. Le superviseur de projet avait même commencé à entreprendre des partenariats en vue d'obtenir un lanceur pour son avion. L'entreprise se tourna d'abord vers SpaceX, puis vers Orbital Science, mais ces partenariats furent de courte durée. Finalement, l'entreprise commença une autre collaboration avec Orbital ATK, dans l'optique de développer la fusée Pegasus XL. Parallèlement, l'entreprise développa trois lanceurs en interne. Mais tout bascule en octobre 2018 lorsque le principal investisseur, Paul Allen, meurt. Le développement des trois lanceurs est alors abandonné. Mais tout n'est pas perdu. La société est sauvée de la faillite un an plus tard grâce à son rachat par une structure spécialisée dans l'achat d'entreprises en difficulté, Cerberus Capital Management. Un rachat qui modifie les objectifs de la firme, qui n'a maintenant plus comme but premier de lancer des véhicules spatiaux, mais plutôt des engins supersoniques. Ce changement de cap est certes décevant mais pas de panique, la société n'a pas pour autant renoncé à son côté spatial et poursuit le développement de sa propre navette spatiale, la Black Ice, qui sera fonctionnelle dans les années à venir. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche, n'oubliez pas non plus de nous suivre sur tous les réseaux ou de nous rejoindre sur Discord, et n'oubliez pas, nous viserons toujours la Lune, car même si on la loupe, on finira dans les étoiles.